La quête de Cheek, tu vas avoir celle du Phoenix, t'inquiète. Ok. Je trouve ça le fun. Il y a beaucoup de side quests Ce qui qui débloquent des existe mécaniques plus de jeu. accueillant que Préolard? Ce qui est étonnant, c'est que t'en as pas énormément besoin. En étant Oh, la preuve. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez une réponse à propos des... Bonjour, Miss Willardsey. Alors, que s'est-il passé? Vous les avez trouvés? Je les ai suivis jusque dans la forêt et j'ai trouvé un trésor. Oh, c'est merveilleux! Je suis heureuse que vos efforts aient été récompensés. Enfin, un petit peu. Peut-être qu'un jour, je trouverai le courage d'entrer moi-même dans cette forêt. Pour le moment, je suis contente de savoir que quelque chose pas de vraiment, je pense. M'y attendra ce jour-là. Je trouve pas. Je pense que ça dépend de comment le joueur a envie de jouer. Attention, ça donne combien d'XP? Oh, j'espère que Marie et ses voisins n'ont pas été blessés. Christ! Excusez-moi, monsieur. Vous allez bien? J'ai connu mieux, mais je ne voudrais pas accabler les élèves de mes mots. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. J'en doute. Au fait, je m'appelle Crispin Dunn. Je vends des marchandises dans les hameaux de la région. Principalement à Aronshire. Quel joli petit hameau. Et ces magnifiques jardins. L'autre jour, la Gazette du Sorcier a publié un article sur leur charmante haie. En fait, avant de continuer, dites-moi, avez-vous peur des araignées? Non. Les araignées ne me dérangent pas. Vous seriez impressionné si vous saviez combien j'en ai éliminé. Vous en avez de la chance. Le hameau en est complètement infesté. Et elles sont... Ouais, je l'ai vu le State of Play, Fenrir. J'ai peur pour mes clients, bien sûr. J'ai vu le State of Play, Murder. Il semble que la plupart des habitants du hameau soient partis se mettre à l'abri. As-tu vu Resident Evil 4? Que je m'inquiète. Je ne l'ai pas vue et je crains qu'elle ne soit coincée dans sa maison. Je comprends, mais dans ce cas, pourquoi ne pas aller la voir vous-même? J'aimerais bien, mais ces horreurs à huit pattes me terrifient. Et contrairement à vous, je ne contrôle pas ma peur. Je ne sais pas quoi faire. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait aller aider Marie? En gros, le State of Play, je vous explique, la première moitié, c'était des jeux PSVR 2, c'était vraiment ordinaire. Après ça, ils ont passé avec un trailer de Resident Evil 4, très bon trailer, très très bon. Il y a eu un trailer de Street Fighter 6, puis il y a eu un trailer du jeu Humanity, qui est le créateur de Rez. Moi, personnellement, ça m'a parlé, j'ai téléchargé la démo. Je ferai de mon mieux. Puis, merci. Ils ont montré. Si vous connaissez quelqu'un d'assez courageux pour m'aider, c'est quoi le jeu là? Ça me rend service. Merci. Suicide Squad. Aronshire se trouve au sud-est de Préolard. Ça a l'air d'un Red Fortnite. Red Fortnite, genre les sauts lunaires et tout, dégueulasse. Ça a l'air. Ça a aucunement l'intelligence d'un Batman Arkham Asylum. Hogwarts Legacy 2. Pouvez-vous croire qu'ils l'ont annoncé il y a 2 ans dans un State of Play, puis ça a pris quasiment... Ah, tu sais, le jeu il a été plusieurs fois repoussé. Là. Je vais faire cette quête, là, pareil. Et non, oui, il est quoi, 23h? C'est pas comme si j'avais d'autres choses. Ça lag. Qu'est-ce qui lag? Ce doit être à Rancher. Voyons si j'y trouve des araignées. Confringo. Mais pour vrai, le meilleur truc, c'était vraiment le... Oh! Levioso, Descendo, Confringo, Expelliarmus. Oh! Il a fait un petit bébé! Confringo, Expelliarmus. C'est encore plus agressif que tout ça. Oh, que ça fait peur comme quand ils sont en train de brûler, c'est dégueulasse. Protego. Qu'est-ce qu'il fout? Oh! Oh le con, je suis pas sur le... Arresto momentum. Confringo, Expelliarmus. Levioso. Descendo. Confringo, Expelliarmus. Levioso. Je crois que c'était la dernière. Fait. Où? Revelio. Je la maison. Oh non. Non, ça doit être Marie. Oh, la pauvre. Si Marie élevait ces choses dans sa cave,
Ça veut dire qu'il y en a d'autres sous terre. Si je veux mettre fin à tout ça, je dois détruire toutes ces araignées, jusqu'à la dernière. Damn. Puis, comment je fais? Ouais, cool. Ça doit être ça. Lui, il lag. Peut-être le jeu, il lag. Si c'est ici que Marie élevait les araignées, elles ont disparu. Je vois ma quête préférée, celle-là. Réveillon. Bon, par où on descend? Le state of play, il était correct. Là. Ah oui. Écoute, le son, il monte donc bien. Une échelle. Je ne sais pas si je veux savoir où elle mène. Oh, c'est mauvais signe. Ces araignées ont bien dû aller quelque part. By the way, HBO Max. On dit qu'il était en train de travailler sur une nouvelle série, c'est Hogwarts Legacy. Oh, ouais. HBO, c'est Warner Brothers? Dépoche 2. Je dois toutes les trouver et les détruire avant que la situation. Dépoche 2. Dépoche 2, en main. Je dois m'occuper des. Levioso, Crescendo, Expelliarmus, Confringo. Oh shit! Bombarda. Je pense qu'il est mort. Petrificus Totalus. Ça, c'est vraiment étrange quand le jeu fait ça. Bombarda. Je déteste l'idée qu'elle puisse me voir, et pas moi. Bombarda. Confringo. Non, non, non. Levioso, descendo. J'en suis à la moitié. Je dois détruire toutes les poches de. Tout. Action. Avada Kedavra. Ferme. Confringo. Rebellion. Confringo. Il y en a tellement. On va faire le tour complet. Oh, le son, il est bien fort. C'est-à-dire qu'il est dans le tapis. Et qui me pique mon intérêt que je connaissais déjà. Mais c'est une bonne représentation. Ouais, pour être bas. C'est moi qui est fou, le son, il est fort. Peut-être faut que je le baisse. Dans mes oreilles. Confringo. C'est ça, tu sais, ça résume bien le state of play. C'était tous des trucs qu'on savait déjà qui existaient, mais bon, ça se concrétise, comme on dit. Confringo. On finit par sortir les jeux. Levioso. Protego. Descendo. Allez. Confringo. Descendo. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Confringo.
Revelio. Confringo. C'était la dernière poche d'araignée. Je crois que je sais ce qui est arrivé à Mary Portman désormais. Elle élevait ses araignées. Une fois qui est-ce ? Revelio. What the fuck? Confringo. J'espère que c'est la dernière araignée. Avada Kedavra. Antonoris. Non. Fuck, il me l'a volé. Kido, bombarda. Protego. Confringo. Expelliarmus. Levioso, descendo. Confringo. Expelliarmus. Meurs. Ok, parfait. Ugh, quel dommage d'être aussi répugnant. Revelio. Ben pour vrai, plus que j'avance dans les quêtes secondaires, pour vrai, je les trouve sympathiques. Je me pose la question, je devrais pas à un moment donné, genre, faire un clean-up de toutes les quêtes secondaires dans le jeu. Une minute. Voici la dernière. Il est très en colère. Niveau 34! Oh oui! Ah ben là. Ah shit, je peux pas! Je peux pas le. Non, ça vise pas le bon! Ah, ça vise toute la gang! Je vais faire des cauchemars jusqu'à la fin de mes jours après ça. Hey, c'est abusé le combo, genre. C'est abusé. Revelio. Genre le sort qui tue d'une shot, là. Salut, elle a dit. Salut, salut, ça va bien? Bonsoir. Level 34, oui monsieur. Mais je vais aller quand même finir ma quête avec mon sombral. Pour la beauté. Anyway, je veux dire, rendu là. Il est 23h30. Je pourrais bien aller jusqu'au bout de la nuit. En faisant des quêtes et tout. Le voilà. Après 2 heures à essayer de monter de niveau. N'aura pas de facile. Revelio. Anyway, c'est pas comme si... Genre, je veux dire... Niveau 34, je finis le jeu, puis je suis comme... Ok, tu sais, il se passera rien. J'essaie de faire aller... De faire aller, merci. J'essaie de faire aller, merci. Attends, j'ai rien compris. De faire aller? Comment tu vas aujourd'hui? Je vais super bien, merci. Très gentil. Je vais très bien. On va bientôt finir Hogwarts Legacy. J'ai adoré ça. Demain, on stream du Kirby. J'ai vraiment hâte d'aller en magasin. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté 2 jeux en magasin. Tu sais, mettons, tu vas au magasin, je vais acheter 2 jeux. Tout le temps, à chaque fois que je vais au magasin, c'est pour acheter un jeu. Mais là, 2 jeux, on dirait que je me sens productif. Je me suis pas déplacé au Walmart pour rien, là. On va péter les ballons, t'inquiète. Ça m'a appelé Fenré, ce sera pas long. Parfait ça. Salut du Phoenix, c'est la meilleure après le magasin hanté. Ah ben là, vous me vendez du rêve. Vous me vendez du rêve. Ça sera peut-être pas le dernier stream de Hogwarts Legacy d'abord. On pourrait... Ok, si jamais je retourne sur Hogwarts Legacy, okay, je vais vous dire c'est quoi mon plan de match. Les quêtes là. Bon, je vois que j'en ai 13. Ça pourrait être cool de finir au moins les quêtes secondaires. De faire les quêtes comme ça. Faire le 100% et tout, aller gosser dans...
à faire tous les ballons, tous les trucs. Je sais pas si ça serait mon délire, là, mais... Les quêtes secondaires, ça pourrait être quand même... Toujours. Attends une minute, pourquoi tu dis toujours? Me voilà. Je commence à être perdu, je suis fatigué. Ça se fait bien, ok. Celle du Phoenix va kiffer. Ouais, mais je sais pas comment la déclencher encore. Je suis partant, mais... Si on pourrait la faire là, je ferais là. Mais je sais pas, d'après moi, il faut que j'attende. Que je fasse plus de camps. C'est un petit peu sombre. Monsieur Dunn, j'ai des nouvelles. Merlin soit loué. Comment va ma chère Marie? J'aimerais vraiment ça qu'il y ait un DLC, mais ils ont dit qu'ils travaillaient pas sur un DLC. Monsieur Dunn, c'était une victime innocente. Pauvre Marie. Elle a défendu le hameau jusqu'à la fin, c'est certain. Un noble sacrifice. 40 heures pour deux cristaux. C'était vraiment une femme formidable. Formidable. Elle n'a pas mérité ça. Ouais, je vais aller faire ça après. Je suis désolé pour votre ami. Qu'est-ce que vous allez faire? On finit la quête sombre. Ah, ben on va vous faire avez là, d'abord. Éliminer les araignées? J'ai du mal à y croire. On va faire là. Mais je suis soulagé. J'imagine que la première chose à faire sera d'aider à reconstruire le hameau. Je ne pense pas devoir me méfier des cadavres d'araignées. Ta-dam. Vous avez bien raison. Je vous souhaite bonne chance. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Je vous tiendrai au courant de la ceux reconstruction. Ceux qui font un DLC, mais il n'est pas en préparation actuellement. Je me ferai un plaisir de visiter votre boutique la prochaine fois que je serai à Rancher. À ma regrettée Marie. Pa pa pa. Bon, mais parfait. La salle sur demande. Le sombral, oui. Je parle pas d'un vrai DLC du jeu. Je veux dire que c'est un DLC à ton stream puisque tu aurais fini ta série, mais tu reviens... Ah ouais, je sais, ok, je comprends ce que tu faisais. Moi, j'appelle ça généralement un stream bonus. Attends, mon sombral, il est là. Généralement, j'utilise le mot bonus. Je fais quoi? Oh, petit bébé! Juvénile. C'est quoi, il donne moins de ressources? Ah, les bébés, ils restent-tu bébés ou ils grandissent à un moment donné? Non, c'est pas ça que je veux voir. Oh shit. C'est correct. Reviens ici. Pas fait exprès. Je devrais informer Chick de la naissance du sombral. Il en donne 3. Donc, comme un adulte. C'est tellement sombre, si on voit fuck all. Oh, les grenouilles sont tellement dégueulasses. Qui j'ai frotté? Hein? Ça y en donne quand même. Piton. Genre. Oh non, les bras sur les crapauds. Ah! Fait qu'on fait R1. Ok, je comprends. Intéressant. Et ton niveau 34 débloque quoi? La fin du jeu. Je peux terminer le jeu maintenant. Parce que, étonnamment, j'ai terminé le jeu à 33, puis là, ça me disait de monter de niveau. Je pouvais pas terminer le jeu. C'est pour ça qu'on est là-dessus depuis tout à l'heure. Fenray veut juste que tu finisses le... Je pense pas. Fenray, genre, il est vraiment motivé, là. Ça sert à rien. Bonjour, Chick. J'ai une bonne nouvelle. Un petit sombral. Ça va rien, t'es valide. C'est merveilleux d'avoir un peu plus de sombral en ce monde. Ils sont tellement incompris. Ah oui, tu auras beaucoup de clients. Si on tous les deux voir les sombrales.
les jeunes mains. J'ai de la chance de pouvoir les voir, mais parfois, il aimerait ne pas en être capable. Tout est la faute de Chick. Qu'est-ce qui est de ta faute? Il y a des années, le maître de Chick lui a demandé de l'aider à capturer un phénix, la yes. plus rare des créatures qu'il avait aperçue sur une falaise. Le phénix était la plus belle créature que Chick avait jamais vue. Chick a supplié le maître de ne pas le capturer. Quand Chick a hésité à escalader la falaise comme on lui avait ordonné, Chick a dû se punir. Alors que Chick se punissait, le maître est devenu furieux et dans sa frustration, il a lancé un sort à l'oiseau royal. Chick pense que c'est pour protéger ses œufs que le phénix nous a attaqués, effrayés et enragés. Avant que Chick ne puisse l'atteindre, le maître est tombé de la falaise. Chick est resté des semaines à se punir sur cette falaise avant que Tobbs ne le trouve. Ah, quand même. Une équipe de danse. Quelle horrible histoire, Chick. Je suis désolé. Chick n'avait raconté cette histoire qu'au professeur Weasley. Et maintenant, à vous. Chick se demande souvent comment va ce phénix. Chick a de la chance d'être à Poudlard maintenant et de vous aider à sauver des créatures. Oh. Chick doit se racheter pour ses actions passées. C'est l'arche de Noël, le truc. Une équipe de danse. Genre, what the fuck? Une équipe de danse. Bon. Parfait. Il a complètement buggé, tu sais, il a lâché son livre. Hein, la lettre, elle dit rien, la lettre? Ok. Pardon? La coupe des quatre maisons. Et où là, votre affaire de... L'envol du phénix, ça va être ça. C'est étrange, les quatre secondaires sont pas en haut quand tu viens juste de dormir. Chick a une grande nouvelle pour... Ouais, l'envol, hein, c'est ça. Bonjour, Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu avais eu une idée. Oui. Chick sait que vous vous intéressez à toutes sortes de créatures. Et Chick a récemment entendu des rumeurs au sujet d'un nid de phénix sur une montagne non loin d'ici. Un nid de phénix? Je me demande s'il appartient au phénix dont Natty parlait, celui que recherche la meute des braconniers. Cela ne fait aucun doute. Ah ouais, Hogwarts, c'est un projet sur longtemps. On a entendu parler, c'est maudit braconnier aussi, ce qui signifie qu'il pourrait être en danger. Alors je me dois d'aller le sauver, pas vrai? Chick pense que oui. Une créature si majestueuse ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Chick ignore pourquoi, mais Chick pense que sauver un phénix pourrait l'aider à se racheter pour ce qui s'est passé avec son ancien maître. Chick espère que vous pourrez trouver le phénix et l'amener dans la salle où il sera en sécurité. Ok. Parfait. La carte. L'envol du phénix. Regarde, attention. Monde. Et là, j'imagine que c'est au sud complètement. Oh, c'est quand même pas si loin. Par contre, le phénix, on peut pas se faire reproduire. Ah ouais! Et le truc là, je sais pas c'est quoi le nom, le je vais dire n'importe quoi, le mange-cas? C'est quoi le nom du truc que j'ai, tu sais le truc qui est une monture là? Réveillon. Lui il peut se reproduire? Ça veut dire qu'il y en aurait un deuxième? Salut Lise, ça va bien? Gros pencorn, ok bro. Ok. Fuck us. Mm-hmm. Skip-moi ça. What? C'est un train? Je pense que...
J'en peux plus de ça, bonne femme. J'en peux plus. En route pour de nouvelles aventures. Un grappe-corne. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un mâle puis une femelle. Ah oui, j'ai vu ça, Mortal Kombat 12. Un barrage. Les braconniers de recrutement. Alors, c'est juste une annonce. Il n'y a absolument aucune image. Revelio. The fuck is that? On n'est plus capable. Elle rend folle pour vrai. Complètement folle, elle me rend fou. Un petit peu triste, je viens de déposer mon copain à la gare. Il est 5h45 du matin chez moi. On a habité... Quoi? On habite à 600 km, donc dur, mais sinon ça va être... Oh mon dieu. Ça c'est crève-cœur ça. Ben oui, ça va très bien. Confringo! Alors moi, je suis plutôt content. On termine Hogwarts Legacy. J'aurais dû rester au château. J'espère que ça va te changer un peu les idées. Il semble que c'est malheureux. Calme-toi. Partie où le gars? Personne. Et où? Sacré comme un musée. C'est un risque. Quoi? Papa n'a qu'à la main. Lire ce qui le méritait. Arrête au momentum. Zéro. Oh, pour ça, je vais faire. Maudit. Alors, on part là. Utiliser la magie noire. Confringo. Ça fait chier quand ça fait ça, là. Je sais pas pourquoi je fais ça. Qu'est-ce que... Bombarda, tu te prends pour qui? Petrificus Totalus. Ça, c'est complètement what the fuck, genre. Pour vrai, là. Bombarda. Confringo. Genre, mettons, t'es transformé en tonneau, t'es fait exploser avec une attaque de feu. C'est bon ça. Voir le lag. J'ai eu un lag? Mais c'est étonnant parce que j'ai pas de drop. J'ai eu des drops comme au milieu du stream. Pis ça a pas changé. Ah non, mais regardons ça, je suis dans le jaune. Hey, c'est vraiment étrange. Je suis dans le jaune, mais je perds pas de frame. Ça fait ça au début du stream? Il y a des drop frames dans le jeu? Quand les barils pètent, ok. Ça m'est arrivé, là, ce soir, je suis tombé dans le jaune, pour vrai. Je comprends pas. Salut Alexis, ça va bien? Je me demande si MK12... Hey, pour vrai, là, ça, c'est fucké. Mortal Kombat, on en parlait dans le Discord, ok. C'est-tu Sverd qui a dit ça? C'est triste, dans mon temps, il a dit... Comment il a dit ça? HL, ça voulait pas dire Hogwarts Legacy, ça voulait dire dans mon temps Half-Life. Puis là, quand je vois MK2, je suis comme, ah, Mario Kart. Mortal Kombat, je sais. Arc. Ok, man, Arc, le fuck up. Encore des braconniers. Mais combien sont-ils? Oh. Tu veux peut-être que je te repose? Je vois pas! Je le vois pas! Avada Kedavra! Qu'est-ce que tu as fait? On te le risque! Les créatures des environs dormiront un peu plus. Ça, c'est propre! Revelio! Mario Kart, mais mettons que le fait que les initiales sont associées à Mario Kart. HL, c'est Hogwarts. Non, mais c'est fini, les gars, c'est fini. Quand est-ce qu'ils vont sortir, le 3? Jamais. Le phénix. Oh, le phénix! Le réveil a été dur. Je me concentre sur le jeu. Tout ira mieux. Parfait. Parfait. Je dois le trouver avant les braconniers. Parfait, Lise.
Réveillon. Alors, c'est qu'est-ce qu'il m'a dit là? Je me demande si MK12 est vraiment prêt ou c'est une réponse au 6. Oh, c'est une réponse au 6. C'est sûr que c'est une réponse au 6. Je n'étais pas. Ils ont comme aucune raison de l'annoncer là. Surtout que le dernier Mortal Kombat, il l'avait annoncé avec une. Avec une vidéo en... Ça, c'était pas du gameplay, là. Je suis comme fatigué, excuse-moi. En CGI. Fait qu'ils auraient pu, genre, balancer un truc en disant « Ah, on travaille dessus? » Non. « Oh, on travaille dessus. » Ça existe. La même journée que Street Fighter 6. Que les gens parlent de Street Fighter 6, notre jeu existe. Ok. Même affaire que D2, c'est Diablo 2 ou Destiny 2. Oh my god! Le revoilà! Où ça? Réveillon. Pardon? Genre, il était là? Hey. Moi, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu! Au secours! Bombarda! Confringo! Je peux pas monter là? Bon, je me laisse tomber, je pense. Gears of War, God of War. Ok, j'avoue. Mais tu sais, c'est quand même pas si pire. On dirait que les deux franchises sont un peu. Je disais pas en même temps, mais. Pas loin, tu sais. Comme Mario Kart, ça existait dans le temps où le monde faisait pas des acronymes. C'est ça qui est un peu weird. Rebellion. Confringo. By the way, Suicide Squad, le jeu qui va sortir, ça se passe 5 ans après Arcane Knife. Hey, pour vrai, ça a pas l'air bon. Ça a pas l'air bon, avec les sauts lunaires et tout. Les genres de sus mauves qu'il faut tirer dessus. Genre, Harley Quinn est rendue comme Spider-Man, elle a des... elle se promène de toi en toi comme avec des toiles d'arrêt. Je sais même pas c'est quoi, des câbles? Je sais pas. Perso, j'ai pas trippé à regarder ça. Genre, j'ai fait... Ok, genre. Le jeu m'intéresse pas. C'est pas fait pour moi. En espérant que j'ai pas visé celui qui avait le plus de vie. Oh my god, ça... C'est pas de ma faute si tu es une araignée géante mortelle. J'ai jamais dit ça. Non, Mario Charles, c'est MC, the MC. MC. Petrificus Totalus. Est-ce que ça va avoir rapport? Je pense qu'il n'y a jamais rien d'associé à Suicide Squad qui m'a plu dans la vie. Moi non plus, ça m'a jamais attiré. En fin de compte, là, je comprends pas Warner Brothers. On aime juste Batman. On s'en fout. Arrêtez de vouloir étendre l'univers, c'est pas intéressant. Oui, il y a comme 10 000... Genre, il pourrait faire un jeu où, je sais pas, on incarne le Joker. Il pourrait faire un jeu où on incarne le Pingouin. Je sais pas. Confringo. Levioso. C'est moi qui fais voler. Descendo. Confringo. Descendo. Confringo. Seigneur. Bref, il y aurait plein de trucs intéressants à faire avec ça. Ça, c'est pour être très bien. What the fuck, le gars est parti dans le ciel, avez-vous vu ça? Son corps, il a fait... Avez-vous vu ça? C'est moi qui est fou? Pas comme si ça m'étonnait énormément, anyway, là. Tout est buggé dans ce jeu-là, mais... Bombarda. Mais buggé. Confringo.
Genre, ça fonctionne, mais il y a des trucs étranges qui arrivent, mettons. Quoi je fais, là? Ah oui, ça... Confringo. Ça doit être ça. J'ai pas fait de réveillon. On n'est pas le bon public, c'est pour les tripeux de comic book, puis c'est bien correct. Je sais pas si vraiment c'est tant pour les tripeux de comic book, parce que moi je sépare les gens qui tripent sur les comics, puis ceux qui tripent sur les films. Je pense que ça s'adresse à ceux qui tripent sur les films plus que les comic books, parce que quand Harley Quinn est comme rendue comme Spider-Man, puis elle peut se déplacer dans la ville, puis les bonhommes ils volent dans les airs, puis ils ont des sauts lunaires à la Fortnite. Je sais pas. Ouais, bonjour. Mais... Je suis là pour t'aider. Je vais t'emmener en lieu sûr. Oh, plus 10! Ah, c'est beau. Arrête au moment seul. Ok, j'étais pas obligé de me fight avec. Il est temps de retourner dans la salle sans... Oh, renaître de ses cendres! Wouhou! Ok, good. Tu sais, comme un autre exemple, genre la Harley Quinn qui est rendue populaire aujourd'hui, c'est la Harley Quinn genre du cinéma. T'sais, c'est pas celle la vraie des bandes dessinées. Là. Quand j'étais jeune, Harley Quinn genre était comme un harlequin, puis était avec le Joker. Là, elle est complètement rendue. Elle n'existe plus là, pour le Joker. Là. C'est une femme forte. Là. Genre, c'est une punk avec des cheveux de couleur, c'est comme ok. Ça me dérange pas, mais dans ma tête, c'est pas vraiment ça. C'est pas ça l'idée que je me faisais du personnage. Les casuals savent pas c'est qui fucking Captain Boomerang pis le requin. Ben, ça commence à être un peu plus à la mode, là, avec le Suicide Squad. Suicide Squad? Allemand! Là, faut-tu que j'aille là? Je pense que oui. Là, tu vas voir de la magie. Attention, êtes-vous prêts? J'ai glissé! Avez-vous vu ça? What the fuck, il y a des quêtes, c'est pas fini? Genre, j'ai glissé, je vais... Oui, Chick. Et je l'ai sauvé des braconniers. Il est là, en sécurité. Remarquable! Eh bien, qu'attendez-vous? Chick a hâte de... Je touche à rien, j'ai même pas ma note dans les mains. Ça skippait le truc. Oh, vraiment nice. Ah oh, oui, ok. Ça arrête plus de m'impressionner. La salle sur demande n'arrête plus de m'impressionner. Sans blague. C'est une merveille. Gardez bien cette plume. Ça fait-tu comme dans Final Fantasy? Si je meurs, genre je reviens à vie? L'ordre du Phénix, tout ça. Ben en fait, l'ordre du Phénix, c'est plus un ordre qui est contre Voldemort. Le professeur Weasley et Chick ont eu raison de vous parler de la salle sur demande. Cinquième film. Regardez tout ce que vous mais avez le Phénix, accompli. Il est là tout le long. Et combien de créatures vous avez sauvées. Fun sex. Le Phénix est sain et sauf grâce à vous. Je n'aurais pas réussi sans ton aide, Chick. Merci. Quand je dis ça, ça trigger le monde. Chick vous remercie de ces gentils mots et il est reconnaissant d'avoir pu vous aider. Après vous avoir aidé à sauver autant de créatures, Chick éprouve un sentiment de paix qu'il n'a pas ressenti depuis des années. Chick sera toujours là quand vous aurez besoin de lui. Na. Cool. Ok, ben j'ai une chose à dire. Holy shit! Je crois que je bouge tout. Hey, ça a pas d'allure. Ça a pas de maudit bon sens. C'est tellement gros. «
vraiment nice. La salle sur demande, c'est la salle sur demande est vraiment nice. Ah, avec un château abandonné. Ah oui, c'est tellement nice. Et pour vrai, c'est vraiment cool, ça. C'est vraiment, vraiment cool. Pourquoi m'aller mettre ça là? Je vais aller le mettre là. Non, non. Oh. C'est pas ça que je veux. Bon, c'est de fatigué. Ce jeu-là, au début, je le voyais vraiment comme un produit dérivé. Oh, puis que je me suis dit, on devrait juste s'en foutre. Mais plus ça avance, pour vrai, je me dis, ce jeu-là, il mérite vraiment une nomination comme jeu de l'année. Il y a du stock. Impressionnant. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Ok. Peux-tu le brosser? C'est qui? Ah, il est là! Plus que Chouchou Charles. C'est parce que c'est l'année dernière, c'était pas cette année. C'était dans le temps des fêtes. Pour ça. Sinon, ça aurait été égal. Excuse. C'est correct. Il y en a qui pensent que je fais du Mario Kart le vendredi. C'est correct. J'ai pas perdu. D'après moi, Zelda et Hogwarts vont se disputer à la fin de l'année. Puis Resident Evil 4, j'y crois aussi, là. Pour vrai, cette année, ça va être tough de savoir c'est quoi le jeu de l'année, là. Mais je pense que si on suit la logique, le Zelda, là, devrait être bon. C'est qu'on rentre, ça? On se parle. Upgrade ton équipement légendaire, level 3. Ils ont besoin de plumes de phénix. D'accord. On va regarder ça. Là, par exemple, je pourrais l'améliorer. Ah non, celui-là, il n'y en a pas besoin. C'est vraiment impressionnant. Hey, on finit tout ça? Il est rendu minuit, là. Je vais peut-être déplacer mes enfants, là. Attends, là, c'est tout ça? Déplacer. Il veut pas. Quinte-toi, ça c'est bien placé. Ok. Non. C'est ça, ils sont pas centrés. Calé.
ça respire, là, ça fait du bien. Là. Ça respire un peu. Comme ça. Je le veux, mon moment. Oui, promis, je fais ça. Là. Ouais, je vais réfléchir pour y retourner. Genre, les quêtes et tout. J'aimerais ça peut-être avoir chacun des animaux. Ça pourrait être comique. Si mes potions sont max. Fuck! Beaucoup de gros jeux cette année. RE4, Diablo 4, Star Wars Jedi Shows, Survivor. Starfield, Redfall. Alors Redfall, j'ai jamais entendu parler de ça. Redfall, c'est quoi? Lie of P. Ouais, Lie of P, je sais pas. On peut-tu considérer ça comme une grosse sortie? J'imagine. Ah, il y a tellement de trucs. Hein. Ça, je... Ouais, je vais faire avec ça. Ok. Déjà, ça, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu plus propre. Je trouve que c'est propre, de même. On va aller finir ça. On va aller voir qu'est-ce qu'elle va dire, Madame Weasley. T'as ton level... Oui, j'ai mon level 34. Alors, combat. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, regardons ça. On a fait tous les mages noirs. Pouvez-vous croire ça? Faudrait que j'aille battre 20 grenouilles. Voulez-vous qu'on fasse ça? Non. Les araignées aussi, c'est pas peur d'être sur le bord. Les loups, man. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. 70% des quêtes. Quand même pas peur. Ok. Non. Ça se termine là, les amis. Ça se termine là pour un bon bout. J'ai hâte de voir la fin. Je suis hype pour elle. Ce guide du sorcier, c'est quoi? Est bien pratique. T'en rappelles pas? Je suis ravie d'y avoir été incluse. Tu t'en rappelles? Moi, je sais que je m'en rappelle pas. Redfall, c'est un gros canon que Microsoft sort de chez Arkane. Hey! Parlant de chez Microsoft puis d'actualité de jeu, Shinji Mikami, créateurs de Resident Evil, qui ont sorti dernièrement avec le studio Tango Gamework. Il a quitté, man. Il a quitté le studio. Aujourd'hui. C'est étrange, hein? J'entends les armures se taper dessus pendant que je regarde la cinématique. Nice! Oh, la face qu'elle fait! Il sort de où? On le voit jamais, ce gars-là de Serdaigne. On le voit jamais. C'est moi qui ai pas fait les bonnes quêtes. Ça, c'est quoi? C'était le quatrième personnage qui ont pas eu le temps de faire une quête dessus? Cette année, nous avons pu voir nos élèves faire honneur à la bravoure de Godric Gryffondor. Laissez-moi terminer.
À la sagesse de Rowena Selden. De Salazar Serpentard. Ainsi, les vainqueurs de la Coupe des Quatre Maisons. Excusez-moi, directeur, une précision. L'héroïsme d'une personne en particulier lors de l'attaque de Poudlard, sans oublier sa réussite totale dans chacune des matières, malgré une arrivée tardive d'ailleurs. Eh bien, je pense que de tels exploits méritent, disons, 100 points supplémentaires pour sa maison. Qu'en pensez-vous ? Ah, oui. Merci, professeur Weasley. La face, on part avant. Oh my god. Youpi, les nerds. Super Sœur d'Aigle. Névril, Névril de Gros Pinet. Oh. Incroyable. C'est terminé. Très bon jeu. J'ai beaucoup aimé. Ça mérite un moment, oui. Si vous êtes prêts, le chat, il va y avoir un moment. Si vous cliquez pas dessus, vous l'aurez pas. C'est parti. Et voilà. Yahoo! Écoute, il n'y en a pas eu beaucoup ce mois-ci. Hey, pour vrai, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Ça fait partie de mes top jeux de l'année. Je sais pas par où commencer. Assassin's Creed... Hey, coudonc, attends une minute. Y a-t-il une serrure bleue? Je l'ai pas ouvert. C'est les portes là-bas. Arrête. J'ai ouvert tout. J'ai tout ouvert! Arrête! Dis-moi pas qu'il y a pas une série qui a pas été ouverte. J'ai fait X par erreur sur le moment. Non! Très bon jeu. Je trouve que c'était super bien développé. Pour vrai, j'ai vraiment hâte de voir une suite de cette franchise-là. Ils ont super bien travaillé avec Harry Potter, la franchise d'Harry Potter. Je sais pas c'est quoi, le Wizardry World ou je sais pas trop quoi. F5, non mais c'est dead. C'est dead, s'il y a pas le moment, il l'a pas. Tier 2, youpi. C'était vraiment bon. Digne d'un film d'Harry Potter. Autant le début que la fin. Les professeurs. Peut-être que ça manquait d'un petit professeur qui était... Qui était pas vraiment un professeur gentil, tu sais, comme un remplaçant là, qui est mauvais, là, comme dans chaque film d'Harry Potter. Sinon, évidemment, au bout de 15 heures, t'as plus besoin d'argent. Sinon, la quête qui est donnée spécialement pour les joueurs PlayStation 5. Juste PlayStation 5. Pas 4, le PlayStation. Voyons. Bref, je suis fatigué, je suis plus capable de parler. Elle était vraiment bonne. La quête, là, pour vrai, je pense que c'est ma quête préférée, ma quête secondaire préférée. Avec celle de Sébastien, celle de Poppy. Nati, c'était correct. C'était correct sans plus. J'ai pas trouvé ça vraiment intéressant, les personnages qu'on rencontrait. C'est pas Sébastien, tu disais, il va mal virer. Il donne des sorts interdits. Poppy, genre, tu rencontres des animaux fantastiques et tout. Genre, je sais pas, il y a quelque chose. Nati, c'était complètement, genre, correct. Genre, il y avait rien de spécial. Le magasin hanté, exactement. Le magasin hanté, c'était une de mes quêtes secondaires préférées. Sébastien pis son oncle. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Tout l'arc de la famille de Sébastien. Sa soeur, son oncle, Ominis. C'était vraiment bien, ça. Va peut-être pop dans les natifs Twitch, ça m'a déjà fait arriver. Quoi? Ok. Comment t'as trouvé le jeu? Il était vraiment bien. Je viens d'arriver, ben c'est ça que je dis. Le jeu, c'était un très bon jeu.
Il y aurait une suite, un DLC, une extension, je serais down. N'importe quand. Poudlard, c'est super bien fait. Super bien transcrit comme qu'est-ce que j'ai vu des films. Préolard, c'est correct. Préolard, je pense que Préolard aurait pu être encore un... peut-être un brin amélioré. Sinon, l'open world, il était numéro 1. T'as tout le temps des petits villages et tout. C'est peut-être... J'essaie de trouver qu'est-ce qu'ils auraient pu améliorer. Peut-être qu'ils auraient pu faire en sorte que tel ou tel village soit un peu plus différent d'un ou l'autre. Là, c'est un peu fou, tu sais. J'ai pas vraiment travaillé les captures de créatures. Tu sais, j'ai pas capturé tant que ça de créatures. Puis j'ai pas tant augmenté mon équipement. Puis je m'en suis bien sorti, j'en pourrais. Fait que c'était pas indispensable. C'est un peu comme les potions, c'est un peu du surplus. Magasin hanté, j'ai pas fait. J'ai le jeu sur PC, sadly. Pour vrai, c'est une de mes meilleures quêtes. C'est pas une quête où nécessairement tu te bats contre des ennemis puis tu bourrines. D'ailleurs, le système de combat, vraiment bien fait. Système de jaune, mauve, rouge là, pour les attaques puis les trucs d'effet et tout. Sinon, genre les talents que tu peux améliorer, les sorts que tu peux améliorer, c'est vraiment satisfaisant. Genre, c'est le fun de grinder un niveau pour améliorer tout. Genre. Pour vrai, tout est cool. Tout est cool. Puis le livre qui dit t'en es rendu où le pourcentage. Vraiment cool. Bonne nuit, Volan. Faites beau rêve, mon homme. J'ai vraiment aimé. Peut-être que, si mettons, on devait le comparer à un open world, mettons, comme Skyrim. Tu sais, mettons, quand tu fais Skyrim, t'as la quête avec Dovahkiin, quand t'es le fils du dragon. Puis t'as une autre quête qui est comme quasiment principale, puis que ça a un impact sur le monde, comme celle où tu peux libérer Bord de Ciel de l'Empire ou en faire retourner dans l'Empire. Ça aurait été peut-être cool au-delà des quêtes principales avec la magie ancienne, les devoirs puis les trois quêtes pour les collègues de classe. Ça aurait peut-être été cool d'avoir une autre quête quasi centrale qui aurait fait un impact important sur le monde. Mais en même temps, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire. C'est tellement complet comme jeu. Bonne nuit, Fenrir. Faites beau rêve, mon homme. J'ai vraiment envie de racheter le jeu sur PS5 pour y jouer sur ma 55 pouces 4K. Ça ferait quand même le fun. Ouais, pour vrai, le jeu est numéro 1. Ça se contrôle super bien à la manette et tout. J'imagine que vous autres, là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le font sur PC dans le chat. Je sais pas comment je jouerais sur... avec le clavier souris. Il me semble que ça me paraît étrange. Tout est automatisé sur console. Genre, les sens sont directement envoyés sur les ennemis, je sais pas comment ils font sur avec un clavier souris. Faut vraiment viser les ennemis. Sûrement. Je trouve que c'est ça qui est le fun, genre tu peux envoyer plein de sorts et tout. J'ai joué clavier souris puis je trouvais ça plus précis. Ok. Ben c'est pas ce pays là à la manette. Peut-être juste le seul truc qui fait chier à la manette, c'est changer tes sorts avec la croix. Ton set de sorts, là, t'en as 4. C'est peut-être le seul truc qui est un peu chiant. C'est un peu étrange d'avoir mis les 4 sets de sorts, les 4 emplacements. Comment t'appelles ça? Quand tu joues avec le D-pad, là, tu peux changer tes 4 sorts. Je sais pas c'est quoi le nom dans le jeu, là, mais c'est un peu étrange d'avoir mis ça comme un power-up, là, comme un talent. Les sorts, c'est 1, 2, 3, 4. J'accrochais beaucoup les touches. Ah ouais, c'est 1, 2, 3, 4. Ah, je pense que j'aurais pas trippé. Ouais, ils ont fait un beau travail à la manette. Ça se joue vraiment bien. En tout cas, ouais, mais très cool. Très cool, puis... on l'a vu jusqu'à la fin, là, j'en reviens pas, pour vrai. Hey, j'ai-tu vu des noms québécois? Bernier Boutin... Je cherche un Benoît. Je cherche un Benoît dans les noms. Est-ce possible? Charon, Godin. Ponton, Fournier, Le Sort. T'as mené, c'est pas ça? Il y a des Québécois qui ont débogué le jeu en passant. Le QA, c'est ça? Es-tu là? Je vois pas de Benoît. Fuck! Attends une minute! Concentré, là, on voit des noms québécois, là. Non, il y en a plus, là. C'est fini, je pense. Non, Philippe Cadieux. Attends une minute, ça continue, là.
Jean-François Cyr, Michael Demers. On les salue si jamais ils écoutent la rediff. Salut les gars, beau travail pour déboguer le jeu. Écoute, je pense qu'on a passé à côté. Bref, je vais dormir heureux de t'avoir accompagné pour la fin de ton aventure. Bonne nuit. Mais merci beaucoup, Compostette. Bonne nuit à toi. Faites beau rêve, mon homme. Puis peut-être à demain. Demain, Kirby. Et tous les dimanches sur Mario Char. Kirby. Kerbo. J'ai dit tous les dimanches, Mario Char. Pas vendredi, Mario Char. Au cachot! Au cachot! C'est la nouvelle affaire. Au cachot! Au cachot! Kirby, c'est mon spirit animal. J'aimerais pouvoir gigasoc demain. Je le savais. J'attendais de savoir qu'est-ce qu'elle allait dire. Genre, tout manger, genre, d'en faire de même. Effectivement. Effectivement, ça m'étonne pas. Ça m'étonne vraiment pas. Je m'attendais à ça exactement. Guac, guac. 3000? The fuck is un guac? J'ai déjà entendu le mot guac sur des streams FR. Mais le guac, ça veut dire genre... Je sais pas comment le décrire en français. Je sais pas comment expliquer. Guacquer quelque chose, c'est genre... arnaquer quelque chose, genre, mettons. Ah, c'est le son quand tu dis trope. Ok. Je lis différemment. Ok. Incroyable. Hey, c'est le fun. Merci de la conversation. Calice, je sais pas quoi dire. Je sais plus quoi dire. Oh my god. Moi, je vais couper le stream dans pas très long. On va aller raider quelqu'un. On va aller regarder tout de suite qui qu'on pourrait raider, là. Je suis content d'avoir fini ça, pour vrai. Mm-hmm. Ouais. Il y a quand même du monde à soi. Peut-être fait mon choix. Pour vrai, ça me donne le goût de regarder ce stream-là. Peut-être envie de regarder ce stream-là. Je regarde de temps en temps l'après-midi. Ah, je te dirai pas dessus. Il dure combien de temps le crédit? Je n'ai aucune idée. On devrait-tu le skipper? On va peut-être le skipper. Je pense qu'on a compris. Passé. Droit au but. Papa, papa. Good. Hein? Quoi? Pourquoi? Hein? 4h25. Non, sérieux? 4h25, le truc. Oh my god. Oh, la chenoute, mon gars. La chenoute encore dans l'inventaire. Ce serait le fun qu'il y ait un sort qui vend direct tout à mon magasin. C'est maudit parce que là j'ai amélioré des pièces d'équipement, j'ai aucune idée si c'est le meilleur stock. Bon, c'est pas... Ah, je peux mettre un talent de plus. Tu sais, j'aurais dû mettre. C'est super important si on revient pas dans le jeu. Là. On saura pas où le placer. Attends, je vais le mettre là. Pour dire que je l'ai fait au complet. 16 sur 16 dans le cœur. Damn. Ok, good. Hey, man, j'ai tellement rien mis. Salle sur demande, j'ai rien mis, genre. J'ai jamais joué ce côté-là du jeu.
Ah ouais, c'est les affaires avec la potion puis les plantes, c'est ça? Ah ouais, ça doit être ça. Hey, j'ai jamais joué avec ces affaires-là. Ok. Bon, mais on arrête ça. On arrête ça, puis je vais peut-être y retourner. Je vais réfléchir. Ça va dépendre les autres jeux qu'on va jouer. Là. Parfait. Good!